Après une faible affluence au stade, Idriss Diallo réagit. Suite au coup d'envoi de la CAN 2023 le 13 janvier 2024, le stade Alassane Ouattara de Bempe n'a pas attiré une foule maximale, suscitant des interrogations au sein de la Fédération ivoirienne de football. Bien que le COCAN ait annoncé une vente complète des billets pour le match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, seules 36 858 personnes étaient présentes dans un stade pouvant accueillir jusqu'à 60 000 personnes, soit une occupation de seulement 61,43%. Yacine Idriss Diallo, président de la FIFA, a exprimé sa volonté de comprendre les raisons de cette faible affluence lors d'une interview post-match. Il dit, et je cite, « On va essayer de comprendre pourquoi il y avait moins de monde, parce que fondamentalement, même le match face aux Seychelles, on avait plus de monde. Est-ce que les gens ont eu peur de la pluie, de la distance, des conditions sécuritaires ? Mais que les gens se rassurent, les forces de l'ordre ont fait un travail exceptionnel et il faut les féliciter. Progressivement, les gens vont être assidus au stade », a déclaré le président de la FIFA. Les déclarations du président de la FIFA soulèvent des interrogations sur les éléments pouvant avoir dissuadé les détenteurs des billets d'assister au match d'ouverture.